Bon matin les boys, ok. Là, je suis avec Meds. On s'en va au métro chercher tout ce qu'il nous faut pour la recette. J'ai aucune idée quoi prendre. On va y aller en freestyle, on va prendre n'importe quoi. On a 25$, puis on a 10 minutes au métro. Puis je sais pas comment cuisiner. On va faire notre mieux. On va aller chercher ce qu'il faut. Puis ils vont adorer. Ils vont adorer, boys. Oh les boys, on les oublie pas. On a 25$, on a 10 minutes. On se dépêche. Let's go, boys. 10 minutes, on économise du temps pour réfléchir à ce qu'on veut. Ok, ça part. Premièrement, il nous faut de la viande. Poisson, non. Je sais pas comment cuisiner le poisson. J'ai aucune idée de la viande. Reste 9 minutes là, ça va vite. Hey Gabin, on va faire les boulettes de viande après. Ça va être là. On va d'abord en masse les boulettes de viande. Maintenant, là il faut des légumes. Super. D'habitude, c'est cocotte qui vient. Tu sais où tout se trouve. Fait que là, j'ai la misère. On va faire le tour là-bas. On va laisser le panier là, il va attendre. Reste 7 minutes pile. 7 minutes. Des carottes, bon ça, on prend des carottes, on a des légumes, la viande, on va faire à côté de ça du riz, du riz, on sait bien faire du riz. Ok, je pense qu'on va tricher un peu, on va prendre du colben, ils vont pas s'en rendre compte. Ils vont penser que je vais être mon riz. Ça c'est du jus de tomate, c'est pas du jus de tomate. 4 minutes et demie. Il faut les petits pois, lesquels sont bons, ça là. Ça coûte une pièce, on est bon avec ça. Ça c'est de la tarte de tomate, non? Je peux pas t'aider, moi. J'espère que c'est ça. Non. Oui, c'est liquide, c'est bon. C'est bon. Là, les boys, on a de la viande, on a du riz, des légumes. Il reste 3 minutes 10. C'est venu chercher ça, ça a de l'air bon, cette affaire-là. Ouais, ça a de l'air bon. C'est 5$, on devrait être pile. On devrait être dans le prix. Ce qu'on va faire, les boys, on va préparer un breuvage. Du pur livre, ça va être bon, ça. Ça va être bon pour tout ce qu'on a pris comme repas. Un bon pur livre pour souper. Les boys, on a fini, on s'en va à 15. On va aller voir si on est en bas de 25. Avec les taxes, c'est sans abonner à 28,74, c'était à 29,53, faut t'enlèver une affaire. Je vais enlever le riz, okay. Enlever ça s'il te plaît. Enlever le good là, on est good. On enlève le riz, on va le cuisiner le riz. Bonne journée. Je garde mes achats, moyennement confiant sur les boulettes, mais on va faire notre possible. Budget de 25$, on a 10 minutes, let's go, on y va. On va respirer. Go! On va faire ça, bon. On va aller plus tard. Le prix! Je sais pas c'est quoi le prix! On va dire que c'est 9$. Maintenant, on s'en va dans les côtés des légumes. Donc, des fruits, j'ai juste besoin de 1 orange. C'est 1,49. On est good. Je vais prendre la primeuse. Il reste 7 minutes et demie. On va payer 2,49. Ça, c'est environ. On va dire que c'est rendu 15$. Ok, on s'en va dans les bouillons. Bouillon de bœuf. On va prendre ce bouillon de bœuf là. Le reste, je pense que ça va être à la maison, les ingrédients de base. Dans le fond, nous avons un orange, du bœuf, brocoli, bouillon de bœuf. On va aller prendre les oignons verts. Oignons verts. Ils ont l'air frais, donc on va les prendre. On va aller dans les pommes. Les affaires de panini, il n'y a pas de spaghetti, là, mais... Panini? Les noix, sont épaisses. Des pâtes panini, hein? Ouais, genre. Voilà, je l'ai. C'est les pâtes panini, ça? Non, mais moi, c'est ça que je voulais. Dans ma tête, c'est panini, là. Dans ta tête, c'est panini? Oui, c'est ça, okay. Dans ma tête. Il reste 50 secondes de rendre la caisse. Et le temps est terminé. Juste avec tes médaillons de bœuf, tu clenches ton budget. Quoi? Oh bah oui, parfait, donc on va être obligé d'enlever le bœuf. Oh non! Y'a rien! Bonne soirée. Les gars, on a eu un petit malentendu. En fait, il n'y avait pas les prix sur le bœuf. Il coûtait 27$, donc ça a busté mon budget dès le départ. Donc, j'ai littéralement rien comme protéines. Donc, ce soir, ça a l'air que mes juges vont manger VG. Ça se peut que c'est Spark qui va gagner, non moi. C'est bon, chaud, c'est incroyable, wow. Guys, on est enfin arrivé dans la cuisine. Rendu au métro, on avait 10 minutes pour pouvoir acheter tous les produits possibles avec un budget de 25$. Maintenant, on a une heure pour cuisiner. On va avoir nos juges qui vont venir ici goûter à nos plats. Entre moi et Spark, dans le fond, on va avoir une note sur 10 pour le goût, puis une note sur 10 pour la présentation. Donc, qui a le meilleur goût. L'anecdote qui est arrivée est où ma source de protéines? M'en va voir la viande. Là, j'ai vu un beau bœuf. J'ai fait ouf. Ce bœuf-là, il me parle. J'arrive pour le prendre. Là, je suis comme, ok, attends, faut que je check le prix. Je regarde le prix. Il y en a pas. Donc là, j'ai essayé de comparer. Je me suis dit que le bœuf, il devrait peut-être environ être 15$. Dès que j'ai fini mon temps, je m'envoie à la caisse. Oubliez pas, le budget est 25$. À la poste, 27$ le bœuf. 27$. Donc, puisque j'ai boosté le budget juste avec la viande, j'ai dû enlever le bœuf et garder qu'est-ce que j'ai. Bouillon bœuf. Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est des pâtes vraiment épaisses. Oignon vert, brocoli, la forme de ma tête, et un orange. Ok, bon, ça va. On recommence à couper. Je vais commencer à le mettre avant.
Je sais pas pour tant. Plus qu'il y a du brocoli et tout. Dans le fond, on leur fait plus qu'une assiette. Mon dieu, elle est pas gorée. Je vais les couper en deux, là. Je les coupe de même. Mes brocolis sont faits. On dit alors, Med. Allô? Oh, on voit. Je pensais qu'on voyait pas. Je pensais que c'était ninja. Ça, c'est des pâtes panini, totalement. Des pâtes panini? Les affaires panini, il n'y a pas spaghetti, là, mais. Panini? Des pâtes panini, hein? Ouais, genre. Les noix, sont épaisses. Bon, on va couper les oignons. Je pense que ça va être bon comme ça. Maintenant, je vais ouvrir mes pâtes. Bon. Ah! C'est prêt! J'ai réussi les pâtes au moins. Les pâtes sont à dente. Bon, la présentation. Chacun, ça sent quoi? Je vais mettre sel poivre. On va mettre un peu ça. On fait un petit goût test. Oh, ça goûte pas cool. Je pense que ça va être meilleur. Donc, on va prendre un paquet de pâtes. On va prendre la cuillère. On va rouler, 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 rouler. Donc là, on va rajouter le bouillon. Checker ça. C'était pas censé tomber. Les brocolis, je voulais pas qu'ils tombent. Donc, on va mettre des brocolis un peu partout. Voilà. Il me reste 2 minutes. Ok, faut que je me dépêche. Je vais prendre mes plus belles tranches d'orange. C'est tellement, ça va tellement dégueulasse. Les gars, j'ai déjà perdu. On va mettre la petite orange sur le top. 3 secondes. C'est fini. Donc, on a du steak. Ok. Je sais pas si c'est du steak. C'est du bœuf haché, je pense. Du bœuf haché. Bang. J'ai pris du riz, je l'avais trouvé, j'ai dit bon, on peut faire plein de choses avec du riz. Moi, j'ai pas oublié le breuvage. Parce que quand on fait goûter le repas, ils font un breuvage. Donc, je leur ai pris du pur leaf. J'ai pris des carottes. Il y avait de la couleur des carottes, je me suis dit que c'était important pour le beau repas. Des patates, ok, des petites patates de même. Et j'ai pris ça, j'ai aucune idée pour quelle raison. Et j'ai pris des petits pois, ok. Avec ça, la mère, elle m'a dit que tu peux faire des boulettes de viande avec du riz, accompagné de carottes et patates. Avec de la sauce, comme ça. Comment on ouvre un four? Ok, ça fond mal, je sais pas comment ouvrir un four. C'est qu'il faut 150, là j'attends. C'est bon? Ok, on va laver les mains. Ça fond. Important, reste à les mains. On va ouvrir les carottes, on va prendre ça. On va prendre deux carottes, pas de carottes. On a tes bons, take this to the middle. Nettoie les carottes avant. Ok, on lave les carottes. Elles sont nettoyées. Ok, 2 carottes. 3 carottes. On coupe ça, on coupe les bouts. On take des carottes. We put the carottes on this. Sel et poivre. Huile d'olive. Ça coule-tu beaucoup ça? Oh, ça coule beaucoup ça! Tiens, on va les frotter. On va les mélanger ensemble. Là, on les enveloppe au four. Donc ça, on met ça à côté. Maintenant, on fait des boulettes. Il nous faut un bol. On va la dérocher dedans. Ça, c'est bon. Oh, palais. Oh, excuse. Excuse-moi, mon homme. On t'attrape. On met du poivre. Oh, là, le micro-ondes, il fait quelque chose, le four, il fait bip, 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 bip. Ça veut dire quoi, ça? Une demi-tasse. Logiquement, une demi-tasse, c'est environ... pas besoin d'une tasse, on est rapide, c'est plus beau. C'est environ ça, là. Bientôt, là. On va avoir bientôt. Ça, c'est environ une demi-tasse. La mère, t'es-tu contente? C'est bon, ça? Ça, c'est une bonne boulette. C'est une bonne boulette, ça? Écrase, là. Écrase quoi? Comme des hamburgers. OK, OK, je comprends. Donne du love à la boulette, donne du love. Soit on met ça là-dedans. Faut du beurre. Pour un joueur Warzone qui revient d'un gros tournoi, qui a une bonne appétit en ce moment, qui a vraiment faim, qui a fait une belle performance, je trouve que j'ai bien performé aussi en cuisine. Ça va-tu dans le four, ça? Lise sur un balade. Je mets de l'huile. J'ai mis beaucoup, là. On met... on met du sel et du poivre. La fois que tu as exactement le même premier repas. Non. Oui. Arrête de changer ça, s'il te plaît. Je suis en train de cuisiner. J'ai mis à 3 le four. Mets ça dedans. 35 minutes. 35 minutes. Est-ce qu'on est dans les temps, les boules? La vraie question, est-ce qu'on est dans les temps? Sont bons. Toujours goûter à ce que tu fais. Mes petits pois sont bons. Très important, boules. Ma mère, elle m'a toujours appris ça. Tu laves la canne. Tu laves. Après, t'en mets dans le recyclage. Ouais, puis le couvercle, tu le mets où? Dans la poubelle.
Oui. Moi, dans le fond, les boys, avant que je devienne streamer Warzone, pour tous ceux qui savent pas, je travaillais pour Gordon Ramsay à son resto 5 étoiles. Puis c'est moi qui faisais les petites patates, je faisais la viande. J'ai servi des grandes personnes, j'ai servi Chuck Norris. Non, en vrai, je travaillais chez Subway avant tout. Fait que j'ai jamais cuisiné ma vie. Brasse-les un peu tes patates. Hey, les boulettes ont l'air excellentes. Pour vrai, là, je suis là. Oublie pas, mais servi avec un purly. Un purly. Toi, ne rien servir à boire. Moi, je m'en suis occupé. J'ai compris ça dans mon budget de 25$. On n'oublie pas le breuvage. Ok. Une boulette. Une deuxième boulette. Une troisième boulette. On met de la sauce. Bon, c'est bon, la sauce. On sort les carottes. Mmm. On a de la bonne, les carottes. Une de chaque couleur. Boum. Puis on met notre jaune. Boum. Les petits pots, on les met derrière. En avant. On les entoure. Oh, pas là, on est trop mis. Les patates, combien de temps qu'il reste? 50 secondes! Ok, on met les patates. 50 secondes, les boys, on n'a pas le temps. Tiens! On les place, les patates. Ben oui, les patates. La sonnerie! Fini, mon homme! Wouh! Hey! Hey! Merci, la pluie! La manger! Les pâtes sont toutes genre secs. Non, non, arrête, arrête, là, elle veut trop gratter les poings. Non, c'est pas ça. Arrête, on dit rien. Non, là, je suis pas d'accord. Elle veut trop faire. N'oubliez pas que moi, ça fait une heure que c'est cuit. Sont petits, eux autres, pour que je me penche comme ça. Allô? Nos deux juges pour ce soir et les deux personnes ayant le plus de barbe ici dans la maison. Barbu et Mels. Donc, j'ai préparé. C'était censé être un bœuf à l'orange, mais finalement, j'ai dû flipper le bœuf. Et maintenant, c'est rendu des pâtes à l'orange avec brocoli puis bouillon de bœuf. Ça a l'air succulent! Donc moi, je vous préparais des boulettes de viande accompagnées de riz à l'intérieur avec de la sauce tomate, des belles carottes du jardin, des petits pois du jardin et des patates du jardin. Des petits pois, mesdames et messieurs. Et fait que là, on a des notes attribuées sur quoi, mettons? Côté visuel, goût, puis c'est tout? Ouais. Mettons, côté visuel, pour vrai. Même si, pour moi, je trouve ça vraiment bizarre, des oranges là-dedans, OK? Reste que c'est beau. T'as fait un bel assemblage, puis c'est cute quand même. Ça, tu aurais pu essuyer la petite sauce ici sur le bord, là. Regarde, on voit pas, on voit-tu la petite sauce? Je veux pas faire tomber à patente. Ça, là, je veux dire, tu aurais pu essuyer la petite sauce, OK? Puis des petits pois, c'est let, on va se le dire, c'est let, des petits pois. Côté visuel, mettons, visuel, pour vrai, je te donne un 8. Moi, je trouve ça beau. Non, j'en accepte 7. 7 parce que, tu sais, c'est sûr, le bouillon, c'est vraiment liquide. Peut-être qu'il aurait été un petit peu plus épais, j'aurais donné un 8, genre. 7, mais c'est très beau. Ça, visuel, 4. Ça fait du sens quand même, ça fait du sens. Fait que moi je dis 7-4, ok? J'ai plus l'impression que, admettons, tu vas dans un resto, tu sais, de coin de rue, pis qu'ils veulent faire fancy. L'essai est là, moi j'irai avec un 6. Ça, j'ai l'impression de manger chez maman. Ok. Fait que t'as un côté sentimental. Ouais, je serais allé pour un 7, mais avec la sauce, les carottes qui sont comme un bord comme. Oh non, c'est bien fait ça. Ok. T'as mis du côté, côté. Hey! Ok. 6.5. Il y a une affaire, par exemple. Moi, c'est impossible que je mange une orange que trempée dans le bouillon de bœuf. C'est impossible. Donc, jamais. Normal. Hey, regardez-moi ça, là. Ça donne pas le goût, là. Hey, ça, c'est trempé dans le bouillon de bœuf depuis 1h30, ça. Tu vas manger une orange aussi, hein? La petite, bonne petite bouchée. Non, mais là, j'ai compris le concept. Okay, le concept là. Parfait. Je m'en vais sur celle-là. J'ai compris le concept là. Ok. Ça voulait dire quoi, ça? Celle-là, on va prendre un peu tout. Ce que j'aime, c'est qu'il y a de la variété. T'as bien des affaires. Fait que, tu sais, un petit bout de patate. Moi, j'ai juste fait ça. Moi, j'ai de la protéine. Ouais. Okay. Ça, c'est le point. Ah, okay. C'est surtout la serre des hommes. On va regarder la protéine. Ok, ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. La petite boulette avec le riz pis tout. Ça, c'est incroyable, ça. Regarde ça, comment c'est beau. Excusez-moi, avant de vous manger, j'ai vu comme servir. Oh! L'expérience est incroyable, quand même. Wow. L'expérience est incroyable. Ok, santé. Un jour préparé, avant. Faites maison. Un petit bout de viande, un petit bout de patate, une carotte, un bouillon. On prend des petits pois. Fait que ça, c'est la bouchée. Je veux pas qu'elle tombe, là. Et elle a tombé. Parfait, on goûte ça. Oh oui! Santé, mesdames et messieurs. Oui. J'ai tout le bouteille. Non, t'es non. Je suis stressée. Un. Oh! Un! Ah oh ouais, c'était terrible. À la limite, là, t'aurais mis du sel pis du poivre comme il faut, je t'aurais mis un 3. Wow. C'est terrible, c'est terrible. Écoute, on est juge ou on n'est pas juge? Un, c'est très, très, très justifié, je vous jure. C'est
non, on n'est pas là pour tout là. On n'est pas là pour tout. Ici, écoute, je donnais un 7 pour le goût. C'est super bon. Il y a tout là-dedans. T'as des carottes, des patates, t'as les petits pois. Oui, visuellement, ok, c'est peut-être pas la gastronomie incroyable, ok? On va se le dire visuellement. Mais au goût, c'est bon. Ça fait la job, c'est vraiment bon. Puis ça, ça vaut un 7 avec le drink, un 7.5. Okay, bout de viande, un petit patate, un petit bout de ça là. On y va. Comme je disais, pleure maman, j'ai oublié le plus important. Le rage. Et voilà. Ah oui, tu l'as bien fait. Oui. On va enlever les petites tomates. Ok, un bout d'orange. Ok, tu vas aller de... Aucunement, ça se mange. Regarde, non, regarde, je vais t'en faire une belle. Peux-tu me faire l'avion, là? Je te fais salir. Fais-moi l'avion, s'il vous plaît. Peux-tu faire l'avion, ouais. L'avion? Oh. Fait que l'avion, t'es prêt? Et voilà. Mon hum, t'as peut-être un peu que j'aime. J'aime ça avec le l'orange, mais je goûte juste le l'orange. Je vais y aller avec la vérité. Les saveurs, c'est pas bon. 8. Oh, ok. J'aime vraiment. C'est bien. C'est x3. C'est ça. Fait que c'est décidé. Cocotte, fais pas manger demain. C'est toi qui fais. Non, absolument, je suis bonne. Mais faut pas oublier, les gars. Faut pas oublier. C'est un best of 3. Donc logiquement, j'ai gagné la première round. Elle a encore la chance de se rattraper. Jeudi prochain, c'est à chaque jeudi. Si je win, prochain jeudi, j'y win. Bien. Fait que c'est best of 3 bus. Best of 3. Hey, 28 à 18. On a un gagnant. C'est merveilleux. Le plus important. Et voilà. C'est incroyable. Ouais. Non, non, l'orange passe pas, c'est pas non. Le reste est bon, mais pas l'orange.